Yo 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 yo. Non, je vais mettre le micro là. Et voilà, on est en live. Salut les amis, et nous voici dans le Tour de France. Ça va Lucas? Ouais, toi Jérôme? En duo sur un petit jeu qui a l'air sympa. J'avais jamais joué à un jeu de vélo, toi non plus. Et voilà, alors on a toi t'as été avec voir le Tour de France, le passage, comme on habite sur l'île, t'avais été voir un parcours et qu'on va refaire justement en duo sur ce jeu officiel du Tour de France qui est original et bien sympa. J'espère qu'on nous entend bien en live. Dites-nous si le son est bon. J'ai baissé le volume du jeu exprès pour que notre voix venant du micro soit la plus audible possible. Et j'espère qu'on nous entend bien. Alors, on va jouer. On a essayé un petit peu. On a essayé un petit peu histoire de se faire la main, mais on ne connaît pas trop encore le jeu. Il est assez compliqué, c'est pas du tout comme un jeu de voiture où on appuie juste sur le bouton pour avancer et puis qu'il y a un autre bouton pour freiner. Là, il faut doser et son joueur et sa fatigue, tout ça. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, on peut faire soit un échauffement, soit un Tour de France. Pro Team, c'est quoi? Construisez une équipe de rêve au fil des saisons. Et versus, confrontez-vous à un autre joueur en écran scindé sur les 21 étapes du Tour 2014. Et ça, c'est pas mal. C'est ce qu'on va faire en versus. Alors, on va faire une nouvelle partie. Vous n'avez pas encore participé à l'échauffement qui vous permet de découvrir. Êtes-vous sûr de vouloir commencer? Oui. Alors, ici, on va choisir son équipe. Ce sont les équipes officielles. Je ne connais pas vraiment, je suis pas un... T'en connais un petit peu, toi, non? Ouais, un petit peu. Alors, moi, qu'est-ce que je vais prendre? On va essayer de prendre des Français. FDJ. Allez, moi, je vais prendre l'équipe FDJ.fr et avec Arnaud Desmarre et Nasser Bouhanni. Hop là, à toi, Lucas. À moi. Ça va être là. Alors, comment tu choisis? Voilà, il fallait appuyer sur « It's ». Tu vas prendre qui? Alors, à savoir qu'on a des beaux petits bobs. T'as récupéré des bobs, un bob. Là, un magnifique bob de la marque d'un saucisson. J'ai hésité à le mettre. Et je sais pas si... De toute façon, la vidéo, elle sera retransmise sur la chaîne YouTube. Donc, le ridicule ne tue pas. Allez, je vais mettre le bob. Voilà. Ça va? Je vois plus rien. Et comme ça. Ah bah, dites donc. Mon vélo. Ah bah, ça va marcher beaucoup moins bien. Et je peux pas dire la marque, mais en tout cas, c'est du saucisson. C'est du bon goût de chez nous. Après, t'avais eu quoi d'autre comme bob? Ils sont où? Là-bas. J'ai mis la casquette. Là, j'ai mis où? Il a dû tomber en fait, il était là. Il a dû tomber. Non, c'est pas grave. Allez, moi je vais prendre le. Je sais pas quelle équipe je vais prendre. Allez, prends Lucas, sinon on va passer 3 heures à jouer. Tu t'en fous, de toute façon, ça va rien changer. Voilà. Alors, ici on choisit. Ah zut. Attendez. On choisit les pistes qu'on veut. Les étapes. Alors attends. Je vais enlever celle-là. On va en faire. On va en faire qu'une seule parce que c'est assez long. Et le jeu, c'est vrai que c'est assez long, mais c'est pas non plus énorme. Donc on va prendre l'étape où toi, tu as été voir justement les coureurs passer et où c'est de chez nous, c'est le Touquet Paris Plage, Lille. Et en plus, on va traverser trois monts auxquels on a l'habitude d'aller en vrai. Et c'est les trois monts qu'on va passer. Allez. Le Tour de France. Alors ce jeu, il est pas mal, mais bon, on sent que ça a pas la même le même budget, on va dire, que tout ce qui est FIFA ou autre, dans le sens où les commentaires sont assez pauvres. Alors ici, on a l'équipe. Voilà. Vas-y, à toi, Hit, ça c'est ton équipe. Voilà. Les trophées ne sont... Oui.
Alors, là, c'est intéressant. C'est quoi, ravitaillement? C'est on choisit les ravitaillements qu'on a. Et on peut en avoir combien? Deux. Deux. Alors, l'étape est divisée en deux parties. Donc, on peut prendre son premier ravitaillement avant la barre du deuxième ravitaillement. Et si on n'a pas pris le premier, on ne peut pas prendre les deux après l'étape, enfin après le point de ravitaillement. Enfin bref, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est comme ça. Alors là, je choisis mon premier ravitaillement disponible avant la zone de ravitaillement. Alors, on a quoi? Énergie, gel énergie, café, boisson antioxydant, barre protéinée. Bon allez, on va prendre. Alors vous voyez qu'il y a des petits carrés jaunes ou rouges. Ou même des blancs en premier. Donc là, ça nous remet un peu moins de fatigue. Ça, je vais le prendre en deuxième. Là, c'est quoi? Endurance, attaque. À l'attaque. Ça, on va le prendre en deuxième. Bon, allez, je vais prendre celui-là. Et en deuxième, je vais prendre celui-là. À moi. À toi, Lucas. Appuie sur... Allez, vas-y. Tu peux choisir tes deux ravitaillements que tu auras droit. Comme tu veux. Allez, on lance la course. Allez, appuie sur X. Alors voilà, on a un petit peu le contrôle du coureur. Donc on a le pédalage là. Position aérodynamique, c'est quand on est dans les descentes. Justement, on va l'utiliser puisqu'on va passer trois monts. Et il y a pas mal de choses. On peut gérer ou on peut donner des ordres à son équipe. Ça, c'est pas mal. On peut changer de bonhomme. Ou on peut changer de bonhomme. C'est vrai qu'on contrôle en gros toute la team qu'on a choisie. Toi, t'as pris quelle équipe, toi? Des Français, j'ai pris un mélange de tous les. Moi j'ai pris la FDJ. J'ai pris au hasard. T'as pris au hasard. Alors, est-ce que c'est un jeu que t'aimes bien? Bah, ouais, de ce qu'on a joué. Moi, il y a pas mal. Mais. Ah voilà, donc il faudra appuyer sur. Attends, c'est quelle équipe? Ah, t'as pris AG2R, la mondiale. Donc, je sais pas si on entendra bien les commentaires, mais ils sont pas tirés. Allez, 3, 2, 1. Donc n'allons pas trop vite tout de suite. Alors moi je suis à gauche, Lucas est à droite. Je vais déjà vite, attention. Allez, tu peux rester appuyé sur carré longtemps pour être en automatique et suivre un peloton, enfin des joueurs. Donc là au début c'est ce que alors, je alors on peut tomber aussi dans le jeu. Ah ouais, tu peux tomber. Alors je sais pas si tu vas nous faire la démonstration. En tout cas je te vois, t'es sur ma gauche. Ça va, tu joues relativement bien. Faut pas forcer. C'est vrai qu'au début, on avait tendance à aller très vite. Dans le peloton. Enfin, le peloton. Le peloton. Le peloton. Tu vois, je suis tout premier. Hein, donc, ouais, moi je suis derrière 3 de mes. Donc mon 11e. Équipe. Voilà, je suis 11e sur 198. T'as ouais. 10 places de plus que moi. Donc on voit en bas à droite de nos petits écrans, enfin toi c'est à gauche, moi c'est à droite, oula, je regarde du coup ton écran, on a notre jauge. Jauge jaune c'est la fatigue il me semble, et jaune rouge c'est l'attaque. Rouge c'est l'attaque et jaune c'est l'attaque. On a la position du vent, ce qui est là, très important aussi. Ceux qui sont... Dès qu'on appuie, des fois quand on fait des montées, ben faut appuyer plusieurs fois sur X. Ouais, pour attaquer. Bah là tu peux, on peut montrer hein, si on appuie sur X. Il y en a dans mon équipe qui se... Voilà, on peut faire un petit sprint. Ah bah je te vois, tu m'as dépassé. Alors, mais du coup ta jauge jaune, elle descend. Ouais, beaucoup plus. Quand on attaque, bah notre jaune, elle descend beaucoup plus vite. Ouais, mais elle remonte après, si tu reprends un petit peu. Je suis passé 39e, toi t'es 32, mais c'est pas grave, de toute façon. Non, moi... 32, ouais. Après, on va se détacher du peloton. Au début, j'étais premier, et après, je suis 26. Ah bah, le peloton, de toute façon, il y a remonté. Et donc, du coup, il n'y a plus vraiment de couleur de tête. Des fois, il y a des bugs. Une fois, j'ai eu le bug, la première fois qu'on a joué, bah, mes roues, ils tournaient pas. On peut... Voilà, bon, moi ça va, il tourne bien. Je suis quatrième maintenant. Je suis devant le peloton. Alors, moi je suis 17e. Oh, bah, là, ça commence à s'échapper là. Alors, je sais pas si on arrive au premier mont. Non, on n'y est pas encore. Non, c'est dès qu'on a une montée. Je rappelle que c'est le Touquet Paris Plage, Lille.
Donc on va arriver sur l'île après. La météo, c'est un peu nuageux, hein. C'est vrai que bah, on l'avait déjà fait, il faisait super beau. Là, bon, ouais. C'est un peu nuageux donc. Ouais, il va peut-être pleuvoir. Bon. Peut-être. Parce que quand j'ai été voir le Tour de France, ben il pleuvait. Ah oui. Du coup, c'était pas. Les coureurs, ils avaient un petit peu du mal à rouler parce qu'ils pouvaient tomber plus facilement. Mmh. C'est vrai qu'après, il y a. Les pneus, c'est du cuivre. Non, c'est pas du cuir. Il y a quand même un côté stratégique. Là, je suis remonté à 16e place, donc toi, t'es moi, combien? Je suis 90. Mmh. Oh ouais, je croyais que t'étais devant, moi. En fait, ouais. Je t'ai passé. Donc là, le peloton, je suis à la tête du peloton, mais il y a quand même des coureurs à l'échappée qui sont partis loin devant. Bah, moi, j'étais 4e, il y avait plein d'échappés qui étaient devant moi, je ne voulais même pas. On va essayer de remonter un petit peu. Bah ouais, moi je suis sûr. J'attaque. Hop, il va attendre un petit peu. Bah. Moi, une fois quand on a joué, bah j'étais tout dernier. Mmh. Du coup, j'ai dû changer de bonhomme et. Et c'était voilà. Bien chiant parce que quand tu changes de bonhomme, ça fait arrêter. Ah, alors on remarque que l'écart entre le peloton et l'échappé diminue. Donc ça veut dire que nous, le peloton, on commence à rattraper. Les échappés. Ceux qui sont partis. Ouais. Donc ça, faut pas. L'erreur qu'on avait fait dès le début, c'était de partir vite. Ouais. Voilà, je me retrouve. Oh bah, je suis premier. Ah. Moi, je suis 60. Donc là, le vent, il est de. Il arrive vers la droite. Il arrive vers la droite, du coup. Le truc, faut qu'il y ait au moins 5 coureurs à côté de soi et devant, à droite et à gauche. Comme ça, ben, on ne reçoit pas beaucoup de vent. Donc là, je me mets en automatique, histoire de me relâcher un petit peu. Parce que je reste 4e. Alors, il y a aussi les engrenages, enfin, voilà, le dessin engrenage qu'il y a. Moi, je l'ai en bas à droite, toi, tu l'as en bas à gauche. On peut changer de vitesse, comme de vitesse là. C'est bon, je suis en échappé. En échappé? Ok. Je suis premier. Bon, là, ça... Ah, t'en as deux qui te suivent derrière, du coup. Tu me vois? Bah, je vois, tu m'as dépassé. Oh, tu pars à gauche, voilà. C'est rigolo. Moi, je reste là. Bon, je me fais dépasser, je passe 8e, mais bon. Il y a un de tes coureurs qui est juste derrière moi. Moi, j'attaque, mais ça ne me sert à rien parce qu'ils sont toujours derrière moi. Ah, je suis 3e. Je suis quand même sur le podium. De toute façon, on est encore à 136 km de l'arrivée, donc t'as le temps, hein, Lucas. 136 km, 3 et toi 5. Tu vois ta jauge jaune, elle a bien diminué, donc tu vas pas réussir ouais, à finir. Faut appuyer sur R2. Faut te mettre derrière quelqu'un et appuyer sur carré. Rester appuyé longtemps sur carré. Tu vois, tu clignotes, ouais, tu vas plus avoir de. Il faut te mettre derrière quelqu'un. Moi j'y suis là plus tard, au moins je reste stable. J'ai quand même. Ah non, t'es loin derrière quelqu'un. Faut... Bah, laisse-toi. Fais ce que tu veux. De toute façon, on va te rattraper. On te voit. On va te doubler. C'est bien là, du coup, en automatique, je reste comme ça, stable. Et ma petite jauge, je sais pas si elle a remonté. Non, elle remonte pas. Premier. Même si je l'attaque pas. Tu peux te ravitailler, je pense. Non. Là, je sais pas comment on fait. C'était triangle, il me semble. Triangle. Voilà. Ouais. Je t'ai ravitaillé, donc ça va te redonner quoi? Mon premier truc. Ah, il y en a un qui tente de s'échapper. Je suis tombé. Et voilà, t'es tombé. Et je suis dans le peloton. Et t'es retrouvé dans le peloton. Ah, moi je reste toujours en automatique, alors on peut rester en auto. Je suis en auto, c'est bon. Je suis quelqu'un de mon équipe. Pour rester appuyé, ouais. Donc là on va attendre, on n'est pas encore arrivé à un mont, à une montée. Oh, et ça commence à s'échapper là. Ouh, ça se bagarre là devant. Toujours 9e. T'as une auto, je suis 57e. Ouais. Pas grave, sur 198, t'as le temps. Alors, je suis l'échappé. Enfin, non, je suis toujours dans le peloton.
Mais le peloton, il tente de tenir tête à l'échappée, je pense. Ah non, ça. Ah bah, je suis comme le mec que je suis. Ouais, voilà, en auto, tu. Ouais. Tu restes stable avec ce que tu suis. Par contre, là, j'attrape. Quand même, un peu. Alors. Bon, là, ça s'est calmé. On n'arrive pas encore à un mont. Ça monte un petit peu, mais bon, le vent, il est fort de face. Oui, il y a un petit peu, il part un petit peu de l'autre côté, à gauche. Ouais, là, je suis bien placé. Je suis derrière, comme il arrive de face, allez. Je suis derrière les gens. Il dispose d'une pointe de vitesse, mais il est à la peine dès que la route s'élève un peu. Ça commence à monter. Je sais pas si on... Le premier monstre... Je sais plus. Ou le mont Cassel, ou le mont Décor. De toute façon, il n'y en a que trois. Tu sais qu'en auto, t'es pas obligé d'appuyer sur R2. Non. En auto, quand tu es en auto, tu restes juste appuyé sur carré. Moi, je suis quelqu'un de ton équipe. C'est roulé. On peut pas dire qu'il soit à son avantage dans les boss ou dans les sprints. Donc moi, c'est là, j'ai encore une bonne barre jaune. Ah, cinquième. Je suis cinquième. Il y a pas d'échappée, là. Ouais, je sais pas. Je sais pas si on peut voir à combien ils sont. Mais en tout cas, on peut voir quand ça commence à monter ou à descendre. Non, cinquième. Sixième. Quatrième. C'est tout en bas. Moi, c'est sur ma fiche, sur ma fenêtre, tout en bas à droite. Le pourcentage de la montée. Mais par contre, je sais pas à combien de temps je suis. Ah bah si, le peloton, c'est en haut. Je suis à 2 minutes du peloton. Enfin, de l'échappée. Moi, je suis à 2 minutes 14, 15, 16. Ah, on arrive en ville. Ouais, c'est une petite ville. Wow, t'as failli tomber. Alors, il n'y a pas de chute en peloton. Moi, je pense pas. Bah, on joue contre des ordi, du coup, bah. Ouais, mais on peut pas chuter en peloton. Là, si bah, je tape à gauche, à droite. Les ordi, je chute pas. J'ai plus de barre jaune. Ah, bah, t'as plus de barre jaune. Là, tu vas être à la peine un petit peu. Là, je te vois. C'est toi là-bas. Regarde si tu vois derrière. Faut que tu mettes. Voilà. Oh, putain, plutôt. Hein? Pardon. Ah, ouais, t'as dit un gros mot. Bonjour. Oh là là, comment tu te fais? Allez, comment tu te fais? Ça monte un petit peu, mais bon, 1 degré, 1%. 1 degré. Ok, 1 degré. Ah, ça redescend un petit peu là. Oh, oh bah tiens, il m'a dit que c'est où il tourne pas. Ok, je voudrais me remettre un échappé moi. Oula. Alors dès qu'on arrive sur un bas côté, mais dès qu'on arrive sur un bas côté, ça vibre à la manette. Maintenant je suis presque en échappé. Oh là, tu vas me doubler! Et je te vois, hein! Je sais pas. Et voilà! Non! Il faut bien gérer son dosage parce que, tu vois. Ok. Chose qu'on n'avait pas fait dès le début. Qui est chaud? La première fois qu'on avait joué, je veux dire. C'était chaud, on voulait aller vite, mais en fin de compte, on n'est pas arrivé premier du tout. T'étais même arrivé en bon dernier, je crois. Ouais, en fait, j'ai changé de personnage et du coup... Bah... Eh ouais, t'avais pris un bonhomme, tu étais carrément derrière et puis... Eh, je suis plus en auto, là. Virage. Oh, je suis dernier. C'est un jeu qui est pas, je veux pas dire rapide, côté, bah, je suis dernier. Mais quand même, finalement, c'est quand même assez prenant quand il faut tout gérer. Faut que je rattrape, là, parce que là, que c'est pas mal. Je suis tout dernier. Bon, là, je suis rattrapé un peu, même si j'étais dernier. Alors on peut donner... Ah, attends, je me mets en... On donne des ordres. C'est avec... Ouais, on met en auto. Et ouais. Puis, après, c'est rond. Ouais, c'est rond pour donner des ordres. Rond, on peut aller sur un bonhomme. Et lui donner des ordres. Alors, on peut voir ce qu'ils font actuellement. Lui, et moi, là, je vais prendre lui. Donner, attaquer. Et je vais lui dire de... Ouais. Suivre les attaques. Voilà. Hop, et voilà, tu vois, moi j'ai mon bonhomme, fou, il est parti suivre l'attaque qui se fait. Parce que voilà, il y en a un qui est parti attaquer, donc j'ai dit à mon coéquipier, toi, tu suis les attaques, donc dès qu'il y en a un qui attaque, t'y vas.
Et c'est ça qui est pas mal dans toute cette on gestion. appuie sur carré pour prendre le bonhomme. Enfin, ça se Non, c'est triangle pour prendre le bonhomme. J'ai demandé à quelqu'un d'attaquer, du coup il attaque. Ah, il y en a un qui est parti là. Ça commence à se bagarrer là. 12e. On voit personne, mais j'ai le bonhomme. Ah bah là tu pédales plus, tu fais plus rien là. Donc là tu vas être bien dernier là. Bah est-ce que je peux changer de bonhomme? Faut toujours prévenir quand tu changes. Bah vas-y fais, mais enfin reste pas comme ça, là, je sais pas ce que tu fais. Bah il y a plus de carré, qu'est-ce que ça va faire? Bah c'est pas carré, je t'ai dit, c'est triangle pour changer de bonhomme. Alors là j'ai changé de bonhomme. C'est bon. On prend les murs. Non, moi j'ai une bonne dose. Ben, je vais essayer de rattraper. Putain, j'ai sorti de mon téléphone. J'ai pas sorti de téléphone, j'ai juste pris mon ravitaillement, Lucas. D'accord. Là, ça commence à monter. Et je te jure. C'est juste devant moi. 4%. Mais on commence les moins. T'as vu les échappés devant, on les voit au loin. Ouais, bah, il y en a 5 devant. Ils se disputent, On va y arriver. Donc, je vous le dis tout de suite, les décors ne sont pas du tout comme en vrai. Ah, on a un petit bruitage quand on descend. Alors moi je fais CR1. Hein. Oh là là, je vais me mettre en position. Ça marche pas. Il n'y a pas assez. En position quoi? Oh là là, pour la descente. Oh ah Lucas, tu es le seul à aller à droite, à gauche. On en rattrape un. Oh là là Lucas. Dernier pointage de l'échappée, 1 minute. On est à 1 minute de l'échappée. D'accord. Ça va, c'est pas encore. On n'est pas vraiment encore. Moi je suis à 59 secondes d'échappée. Salut Léon, 123. Salut. Allez, on en rattrape un. Je rattrape le quatrième. Donc là j'ai un vent fort de devant. Donc je vais rester derrière lui. Ah bah c'est un de mes coéquipiers, là en bas je le dépasse. 54 secondes de l'échappée. Moi je suis en moto là. Donc là je suis quatrième. Petit pointage derrière moi. Ouh le peloton est derrière moi. Tout derrière toi. La tête de course s'approche du sprint intermédiaire. Il sera huté dans la localité d'Arc. On va arriver à la ville de Arc. J'aime bien des fois ils mettent. Ils disent Tristan des trucs sur les. Sur les coéquipiers et tout, bah on sait pas de qui il parle. Et après, ils donnent pas les noms. Ouais, c'est ça. Donc on sait pas, ouais, c'est vrai que. C'est pas le même budget qu'un FIFA. Oh là, oh là, oh là, oh là. Je suis avant-dernier. Pas mal le jeu. Ouais, il est sympa. C'est original dans le sens où il y a un côté de gestion. Oh, là, et c'est pas juste du. De la rapidité. Parce qu'il faut. Si on part dès le début premier. Et eh ben on finit pas forcément premier, au contraire. Moi je suis avant-dernier. C'est un jeu qui est sympa quand même. J'avais jamais joué à un jeu de vélo. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Oula, ça commence à attaquer là. Bah moi ce Attends, que j'aime bien. En auto. Ce que, ouais, j'aime je vais bien suivre. Ce que j'aime bien dans le jeu, c'est parce qu'ils sont beaux les décors. Moi j'aime bien les décors, ils sont bien faits. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors attends. Ah bah mais oui, il y a un bug là, il tombe pas. Voilà. Mais oui, il ne tombe pas. Allez, je vais dire à un de mes coéquipiers de suivre les attaques parce que... Oh là, moi je clignote là, j'ai bientôt plus d'énergie.
Voilà, et vous voyez là mon écran, il commence à... Il vacille et là j'ai plus d'énergie, je me fais laminer et voilà. À chaque fois je me fais avoir lors des premières montées. Un peu orienté gestion aussi, ouais, le jeu est bien orienté, même Je sais beaucoup. pas si c'est quelqu'un de mon équipe le premier. Alors là, je suis encore dans les arbres, je suis même pas encore arrivé en ville. Je vais prendre ce bonhomme là. Attends, je vais changer de joueur. Vas-y. Voilà. Donc là, j'ai pris le contrôle d'un autre Bonhomme. de mon équipe. Notre personnage de mon équipe. Parce que le mien, il était vraiment bien fatigué. Donc là, je suis retourné dans le peloton. 25e sur 198. J'ai presque plus d'énergie jaune. Le dernier, il est même pas en vie. Avec un vent fort sur la droite. Alors moi, je change de bonhomme ici. Pour prendre quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. C'est très bien. Non. Bon, c'est un jeu quand même. Pour les plus petits, c'est. Je sais pas si t'aimes bien Lucas, mais bon. Ouais, Ils font un peu n'importe quoi les enfants. j'aime bien les décors du jeu. Voilà. Les décors. Voilà, ils sont bien faits. Alors là, on va arriver au deuxième mont. Et tu me vois, moi, boum. Allez, petit blanc. On peut voir les écarts. Le quatrième. Ouais, et peut-être cinquième. Moi, je suis dans Je remonte un l'échappée. petit peu, je remonte un petit peu. Là, Je je me vois suis pas mis en encore auto. les échappées, hein. Je vois pas encore les Ils échappées. sont à 1 minute 50 de toi. Et toi, bah pareil, toi. Il est français, je présume. Oui, c'est un jeu français. J'ai pas la boîte, mais il me semble bien que c'est un jeu français. J'imagine un e-sport qui sort un jeu, le Tour de France. Avec des super commentaires, ceux-là, comme je disais, les commentaires sont vraiment pas terribles. Ils donnent même pas les noms des joueurs. Enfin si, dès qu'on prend un joueur, il nous montre le nom. Hein. Comme Oh, moi mais je il dit suis pas. avec Série Blue. Ouais. Bon là je vois les deux qui m'ont Les hommes de tête dépassé. approchent du premier mont de la journée. Ah, oh, bah ben, on n'a même pas fait le mont. C'est le mont Cassel. Mon Cassel. On y va souvent en plus, hein. On n'habite pas très loin. Et on va souvent aux trois monts, hein. On a déjà été aux trois monts. Les trois. Alors je vois des échappés là au loin, mais ils sont hyper loin. Là t'as plus d'attaque, hein. T'as plus Si, de jauge regarde. rouge. Bah ouais, j'ai plus de rouge, mais je peux continuer à faire attaquer. Les kicks. Les monts sont assez typiques de la région du Nord. Ce sont les bosses courtes et pentues qui conviennent parfaitement aux punchers. Donc là, moi je reste tranquillement dans le peloton. Ah, t'as un auto toi? Je me mets en auto dans le peloton, ouais, pour me Moi je suis en préserver. auto. Ils ont des stats. T'entends par quoi les coureurs, est-ce qu'ils ont des stats? Les Les cyclistes. cyclistes. Il me semble. C'est vrai que quand on a choisi l'équipe, j'ai pas regardé, je me suis pas intéressé. On regardera à la fin si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc là je suis revenu 10e, je suis toujours en automatique dans le peloton. Je préfère la jouer comme ça. On peut la jouer différemment, Moi soit je suis bourrin en comme auto et je Lucas. suis troisième en auto. Merci de me couper Lucas, mais bon. On l'a pas fait encore le mont, hein. Là on va attaquer le mont, hein, il me semble. Bah là je suis en montée moi. Ah ouais bah ouais, t'es en montée donc ouais, Je t'attaques suis le mont en Cassel. auto en montée. Le mont Cassel, c'est où il y a un moulin. Ils auraient pu le faire, mais bon, comme je disais, les décors, ils n'ont pas retranscrit vraiment Ouais. la réalité des décors. Ils n'ont pas été vraiment sur place. C'est dommage, ça aurait pu être sympa. Mais bon, nous, Allez, quand on j'arrête l'auto, connaît, moi. Je c'est un passe peu en décevant. attaque. Je passe en attaque. Oh, je mets. Allez. Alors, on peut entendre, je sais pas si vous entendez, on entend le cœur battre. C'est de Lucas, là, parce qu'il fait vraiment un effort. Là, on va vraiment faire un effort. Là, j'aime pas passer des Toi, grandes montées. tu viens juste d'être dans la montée, t'es à la montée. Voilà, on Moi, je a. suis en ville et je suis encore un peu
Non, t'es pas en ville, Lucas, t'as passé le mot. Mais là, on sent que là, l'échappée, elle commence à bien distancer à 3 minutes 50, alors presque là, 4 minutes. J'appuie sur la rang. Ah non, t'es planté. C'est là, hein, pour se mettre. Bah. Allez, je vais pas trop faire de d'efforts dans la montée. C'est super chaud. Je préfère rester en auto parce que après, à moins que, allez, je vais faire une échappée. Mais là, ma jauge jaune, elle va vite descendre à mon avis. Voilà. Voilà, je vais distancer un petit peu et je vais aller. Je me mets en position pour rattraper un peu d'énergie. La pente, elle est à 2%. Je suis à 4 minutes de l'échappée. Elle descend un peu plus. Derrière moi. Oh là là, ils sont tous derrière moi. Allez. Oh là 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 là, il me rattrape. Oh, je me fais rattraper. Oh, moi, il n'y a personne derrière moi. Ça va, je suis derrière moi. 4 minutes de l'échappée. Ouh. Oh, oui. Je me mets en auto parce que le vent, il vient de dos. Ah, oh, moi, je vois personne derrière moi, mais vraiment personne. Y'a personne derrière moi. Allez, je rattrape un petit peu de la jauge. Je vais rattraper un petit peu. Allez, je vais faire un petit échappé. On a passé un premier mont. Il reste 58 km. 55. Comme il vient de dos, je peux me mettre en première position. Je suis un peu poussé par le vent. S'il venait de face, je me mettrais derrière les joueurs. Oh, t'es derrière moi. Moi, je suis 6ème. Et toi, t'es 5ème. On passe une ville. Je ne sais pas laquelle que c'est. Je sais pas s'ils l'ont dit en commentaire. Là, je suis en moitié. Un jeu, un petit jeu bien fun. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Je sais pas combien il est en neuf. Bon, en tout cas, ouais, si vous trouvez l'occasion, ça peut changer. Hein, ça change des jeux de bagnole ou des jeux de FPS ou quoi. Donc, non, c'est original. Bon, après, vous voyez que le... Là, on va vous montrer juste une étape. Parce que là, déjà, on est à 50 km de l'arrivée. Et là, on est déjà à 39 minutes. On va dire un petit 35 minutes puisqu'on a fait une petite pause avant le démarrage du live. Mais bon, une étape, ça peut durer un peu longtemps. En tout cas, c'est pas mal. C'est la même touche que les voitures R2 pour avancer et R1 pour freiner. On utilise très très rarement, voire jamais, le frein. On fait pas le frein, mais on... À part en descente et qu'il y a un virage devant nous. Alors là, le vent, il vient un petit peu... Voilà, je vais le mettre ici. Le vent, il vient de face et là, ça monte un petit peu. Je vais préserver un petit peu mon énergie. Voilà, on va tourner, le vent va venir de droite. Alors, moi je suis à 48 km de l'arrivée et toi 39. Voilà. 1 km de retard que moi. Voilà. Ça monte ici un petit peu. Je vais rester en automatique derrière. Moi, il n'y a personne devant moi, du coup je peux pas mettre mon tour. Ça commence à s'échapper un petit peu là. Ah, il commence à forcer un petit peu là les coureurs. Je moi, reste je là. Suis en grande montée et je suis fort. Donc on a passé l'étape intermédiaire, donc je peux reprendre si je veux de l'énergie, du ravitaillement. Mais je le garde un petit peu. Parce que j'ai mis une attaque, je vais le garder pour les sprints. Youhou ! Ça grimpe. On est. Ah bah c'est deuxième mont, c'est quoi le mont des cas ? Non ? Ou le mont noir ? Parce que moi j'ai terminé la montée, là je suis en descente. D'accord. Allez, je vais m'échapper un petit peu moi. Voilà, j'ai terminé la descente. Mmh.
Ça doit être le mont Noir, il me semble. Je suis pas devant toi. Hein. Je suis pas devant toi. C'est pas mon tour. Non, c'est pas toi. Oh, ça s'échappe. Vite. Moi, je suis un grand échappé. Alors, je vais donner un ordre à mon. Suivre les attaques. Allez. Je vais dire à mes potes de suivre les attaques. Eh ben, là c'est pas assez pentu pour faire une position. Oh, j'arrive pas à me mettre en auto. Voilà. Je reste en auto derrière lui. Ouh. Je suis 14e. Alors moi je suis 6e. C'est quelqu'un qui me suit derrière moi, du coup je suis plus à échapper. Oh, il y en a ton équipe qui s'échappe là. Oh là là, ah bah moi il suit les attaques. Tu vois celui qui part un petit peu droite gauche, bah c'est moi. Ah bah en fait on t'a rattrapé. Ah bah voilà. Ouais. Ah là, je suis derrière toi, là, je suis à droite. Hop là. Ah oui d'accord. Oh bah je suis. Oula. Le ponton. Oh ça monte, ça monte. C'est peut-être le mont des cas cette fois-ci. Des cas peut-être. Ouais. Donc là le vent est à droite. Oh là, je roule un petit peu sur le bas côté. Ah moi je suis dans les centièmes là. Allez, ça va. Et t'as pris ma place, toi. T'as pris ma place. C'est 145. Oh, elle a failli tomber. Allez. Ça descend. Yeah. Carrefour. Ça descend. On a... C'est toi, Carrefour. C'est... Ouais. Enfin, c'est ma casquette. Ouais. Ma casquette en... Moi, c'est en... LCL. J'aurais bien voulu trouver l'équipe LCL, mais je n'ai pas vu. Oui, il doit l'avoir, non? Non. Je suis une tour, je n'ai pas vu. Oh, le peloton, il est derrière moi. Alors je suis 6e, donc l'échappée elle est à 2,25 de moi, on les a un peu rattrapés tout à l'heure, ils étaient à 4 minutes. Alors moi je suis à 2 minutes. Oh là, je suis à je commence à en voir. Il est toujours pas là. Je commence à en voir, ça va, je suis bien là, j'ai encore un peu d'énergie jaune, j'en rattrape un. Voilà. Encore un mini bug là où il tombe pas. Oh là là, et il a pas aimé que je le dépasse, puis il revient à l'attaque, à la charge. On va passer une ville. Je sais pas quelle ville c'est. On n'est pas encore arrivé à Lille. Vous allez voir que ça va bien changer quand ça va arriver à Lille. Le pauvre Lucas, il va finir dernier. Ah, oh, Léon, il dit tu vas finir dernier. 197e sur 190. Ah oui, j'avais pas vu, exact. Tu peux changer de personnage hein, si tu veux. D'accord, bah. Profites-en pour changer de bonhomme. Je vais le faire. Dans ton équipe. Hop là. Vas-y, tu peux, vas-y, je suis plus en virage, vas-y. Et c'est un jeu, vous voyez, c'est pas un jeu individuel, c'est un jeu d'équipe. Ah. J'ai changé. Moi là, il m'embête aussi lui. Je vais me mettre derrière lui parce que. Il va tout muser. Je vais reprendre des marées. Attends, je choisis ce bonhomme. Vas-y, vas-y. Alors là, je suis 7ème. Ouais, 3ème. Toi, t'es en échappé. Hein. T'es en échappé, je te vois pas. Attends, y a qui alors? Non, je choisis le bonhomme. Non, je vais pas choisir, mais je vais lui dire d'attaquer. Ok, je vais attaquer. Voilà. Je sais pas si c'est judicieux, mais bon, je dis à un mec d'attaquer. On verra bien. Suivre les attaques. Ouais, t'as raison, je vais le mettre. Ah tiens, je revois des gens, mais sauf que j'ai presque plus de mal. Je mets carte blanche à mes joueurs. Sixième, c'est bon. C'est pas mal ce petit côté quand même gestion. Hein. Moi j'aime bien. Oh non. Bah alors, qu'est-ce que t'as fait? Oh là là, le pauvre Lucas. Il se retrouve au cœur du peloton. Alors je suis deuxième toujours, je vais tenter de rester. On est à 24 km de l'arrivée. Moi je suis à 25 et toi t'es à 23. De quoi? Ouais. Bah ça après. Tu m'as rattrapé. Plus t'avances, plus tu. Plus tu rattrapes. Plus tu te rapproches de l'arrivée, forcément. Bah.
Je reste là pour l'instant, je perds pas trop d'énergie. Je tente de pas perdre trop d'énergie. Je reste toujours en auto. Le peloton est maintenant pointé à 1 minute. Ah, ils sont à 1 minute de nous. Enfin, 51 secondes. Quand on traverse une ville. Alors ça c'est bien long. Un parcours c'est hyper long. C'est presque une. Oh là là, il commence à arder. Je les laisse partir. C'est dans la face, il fait un beau bonhomme. Hein. Ah, c'est toujours comme ça avec Lucas, dès qu'on arrive à la fin et il. Allez, s'il te plaît. Oh, c'est ton bonhomme. Vas-y, tu peux changer si tu veux. Non, t'es classé combien là? T'es combien? 40ème. T'as pris un joueur du peloton. Ouais, j'ai 10ème moi. Allez, je reste plus en auto, je vais le laisser partir, parce que je vais garder mon énergie. La hantise, c'est de garder sa barre jaune, parce que dès que tu l'as plus, c'est chiant. Et on perd sa barre jaune quand on fait comme Lucas, quand on n'arrête pas d'avancer comme un bourrin. Et qui ça sert à rien puisqu'après. Bah, on va voir à la fin si t'arrives à. Si tu fais comme la dernière fois, ça va être marrant. 197ème, j'ai terminé. Non, sur 198. Non. T'étais pas dernier. Bah ouais, j'étais pas dernier. J'étais c'est vrai. Presque avant dernier ou encore avant. Avant le avant-dernier. Alors là, je suis dans les 90, 96. C'est bien, t'as pas besoin de compter les gens qui sont devant tout. Non bah. On ne plus de ça. Donc là, c'est chiant. Il y a un vent de côté. Je vais me mettre là. Oui, il y a à côté, mais je suis dans le peloton. Alors, ce qui est embêtant quand on est premier, c'est qu'il n'y a personne à côté de toi. Ni devant. Ils sont tous derrière toi. Et dès que tu as un vent fort, ben là, t'es bien. T'es embêté. Parce qu'il n'y a personne. Ah, non, c'est toi qui suis. Quoi? Ben, ça bouge en tête de peloton. Je suis deuxième. Voilà Lucas qui arrive. Oh, il dépasse. Mais de toute façon, on s'en fiche. Regardez, Lucas il clignote. Il n'y a plus rien donc. Non, tu m'as rattrapé. Non, toi t'as continué. Oh putain, tu m'as gêné toi. Qui moi? Ah ouais, à fond, ouais. Tu nous as fait un barrage. Et du coup, je me suis retrouvé 71e alors que j'étais deuxième. Moi, je suis encore plus pire. Hein. On a 10 km de l'arrivée. Alors, je crois qu'on arrive à Lille. On arrive à Lille. Mais j'ai dépassé les 3 mots. Ah ouais, on a fait les 3 monts. Là, on est en ville, on est à Lille. Ah ouais, on a fait les 3 monts. Ça ressemble pas vraiment à Lille, même. Ouais, il y a pas le grand stade. C'est toi, quand t'as été voir le passage à Lille, t'étais devant le grand stade de Lille, c'est ça? Non, j'étais pas devant, j'étais encore avant le grand stade. Allez, faut que je tente. À 6 km. Oh, on est à 6 km de l'arrivée, ça va commencer à se battre, il y a des échappés. Allez, moi je change de bonhomme, j'en ai marre. Je vais me ravitailler et moi, puis hop. Je change de bonhomme. Voilà, deuxième, hop là. Je suis bien premier, je vais me préserver. Est-ce que je vais finir premier? Oh là là. Ça commence à se détacher. Ah, je sais pas si j'ai pris un sprinter, ça c'est chiant ça. Oh là là, ça commence à se détacher. 4 km de l'arrivée. Ah, on n'est pas arrivé à Lille, c'est quoi ce truc? Si. Bah non. Ah, c'est bizarre, il y a des points de campagne. Oh là là, et c'est pas possible. 3 km de l'arrivée. Oh là là. Ça se détache. Allez, je vais essayer de tout remonter. Putain, j'ai un sacré coup de fatigue du coup. Allez, un kilomètre d'arrivée. Allez,
Un kilomètre de l'arrivée. Oh, 800 mètres. Allez, 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 là-bas, 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 là-bas. Allez, là-bas, 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 là-bas. Combien, 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 combien. Allez. Ah, j'ai un peu mal géré. Ouh, je suis terminé dans les dixièmes. L'étape 4, le Touquet Paris Plage Lille. Il y a là le même en 3 dans chaque rangée. Les bâtiments sont clonés. Et bah c'était... Oh, je crois que c'est mon équipe qui est première. Vous avez vu, quasiment une heure pour une étape. Non, même pas une heure. Et là, il y a toujours le même petit bug. Ouais. Le joueur qui... C'est le dernier. Le dernier qui reste bloqué. Même pas une heure de l'arrivée. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme stat, du coup? Classement du meilleur grimpeur de l'étape. Riblon, Rablé, démarre, avec des J. Classement des points, classement des meilleurs jeunes de l'étape. Il y a quand même pas mal de stats. Hein. Classement de combativité de l'étape. Classement de l'étape. Ce qui est embêtant dans le Touquet Paris Plage, c'est les trois monts. Ça monte. Ah bah oui. C'est ça. Parce que... Eh ben en tout cas, c'était pas mal. C'était pas mal. Il y a pas mal de choses. Là, il y a quoi? Éditeur de nom, manuel, crédit. Option. Quand on joue, on peut faire l'échauffement. Tour de France, les vrais en seul. On a fait un versus. De France, ça va durer plus longtemps. Je sais pas si on va se quitter pour voir un peu le. Alors, il y a pas le LCL. Je l'ai pas vu. LCL, ouais, non, on l'a pas vu. FDJ, c'est bizarre, ouais, t'as... Alors, je sais pas s'ils ont eu les droits, mais enfin. Parce que toi, dans le tour, t'as eu le truc LCL, mais ils doivent peut-être pas être dans une équipe. Mais je sais qu'il existe, hein. Je sais qu'il existe parce que à l'écran d'accueil on voit le maillot. Bah oui, en plus, ouais. Bah c'est le maillot jaune, ouais. Ouais. Je suis bête, c'est pas une équipe, c'est le maillot jaune. Je sais pas, on est quel jour aujourd'hui, c'était quoi? On est. Mais bon, juste regarder le. Juste regarder un coup les graphismes parce que je l'ai pas fait tout seul. Juste voir les graphismes sur en plein écran et on va se quitter là-dessus comme ça. Alors attends, je vais mettre là. N'ayez pas peur, je vais faire juste ça. Normalement, on a toujours le son. Voilà, on va revenir, on revient. Voilà, juste pour voir graphiquement ce qui vaut, ce qui donne. Voilà, on est revenu. Voir un peu graphiquement, parce que j'ai pas vu encore tout seul. On a fait que des courses à deux, donc en écran splitté, donc on sait que graphiquement, en général, comme c'est divisé par deux, c'est moins beau. Et là, en plein écran, on va voir ce que ça va donner un petit coup avant de nous quitter. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé au live improvisé. Voilà, c'était pas... On n'a prévenu personne pour faire le live, mais ça sera retranscrit sur YouTube. Donc voilà, en gros, voilà, quand on joue tout seul, c'est quand même un peu plus beau. C'est quand même bien plus beau. Pas, du coup. Non, mais du coup là on a l'écran tout seul. Ça va être, c'est plaisant à faire le jeu. Ça fait bizarre quand habituellement on joue à deux. Mmh. Du coup là ça fait bizarre qu'on joue tout seul parce que dès qu'on joue tout seul c'est pas les mêmes le même décor. C'est plus beau quand on joue tout seul. Bah, voilà. Tout à fait. Bien, bon, je vous rappelle qu'on est sur PS4, hein, du coup. Donc, bon, c'est pas non plus un gros hit en puissance graphiquement, mais quand même, pour un bon petit jeu français. Je veux dire, quand on est dans le peloton, qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs... Oh, chef de file, j'ai obtenu un trophée. Quand on est beaucoup de joueurs, ça ralentit pas, il n'y a pas de lag, ça, c'est pas mal. Ça reste fluide dans l'ensemble. Mais il y a quand même des petits bugs, comme la roue qui tourne pas. Ah là, mais c'est que mes roues, elles tournent. Ouais, ça, ouais. Ça tourne. Bah moi des fois quand je joue, bah je regarde plutôt mes roues, ils roulent pas. On peut pas défoncer les joueurs sur les côtés. Ou se planter dans un camping-car. Attends, je vais faire une chute, tiens. Attention, je vais faire une chute là. Allez, je vais aller. Boum. Chute un peu bidon. Est-ce qu'on peut faire une chute dans le peloton? Allez, ouais.
Non, on peut pas chuter dans le peloton, je fais le con là. Mais en fait, on passe à travers les voies. Bah ouais, on passe. Des fois, on est un peu. Des fois, ils bloquent, des fois, on passe. On peut pas chuter. Ou faire chuter tout le monde. Faire un méga accident. Une méga chute. Tout le peloton qui tombe. Allez, on va essayer. Je fais un peu le con, je fais le con, faites pas ce que je fais. T'aimes bien chuter toi, hein. Tu fais voilà. Le dernier. Ah, je vais me mettre en auto. Voilà. Bon bah Lucas, merci d'avoir participé à cette vidéo. C'est un jeu qu'on a bien déliré quand même ensemble. C'est pas un jeu très vif, très. C'est un peu long, mais bon, c'est pas mal. Un petit côté gestion, t'en as pensé quoi? Bon, il y a pas mal. Est-ce que ça reflète la réalité? Toi qui as été voir justement non, une partie trop, du tour. C'est pas trop réel parce qu'à Lille, on voit pas le grand stade. Ah oui, mais non, mais hormis ça, est-ce que les cyclistes sont bien faits, tu vois? Bon, tu... ils sont pas mal bien faits. Il y a pas mal le jeu. Eh ben merci pour ça. Eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est juste que c'est bizarre quand on vous donne t'as pas fini, Lucas. C'est juste que c'est bizarre quand on veut donner des ordres. Ben on voit pas. Normalement on a un téléphone, mais normalement. C'est des oreillettes. Ils ont des oreillettes pour parler, Lucas. Ah. Comme en vrai. Ceux qui sont dans les voitures derrière, ils leur parlent. Bon là on voit pas. Hein. Il y a pas le camion de Cochonou ou quoi derrière, mais bon. Qui distribue. Non, c'est devant. Ah, s'ils sont devant, ouais, c'est vrai. On les voit pas. Enfin bref, et ben moi les amis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Cette vidéo sera retranscrite sur la chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à venir tout de suite sur le site www.jeremy.fr, délirer ensemble. Et puis moi, je vous donne rendez-vous avec Lucas pour de prochaines vidéos, pourquoi pas de prochains lives. Abonnez-vous à la chaîne Twitch, restez aux aguets sur Twitter et Facebook pour être averti des lives en direct. Et voilà, moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et amusez-vous bien les amis. Ciao ciao.